Et bonjour, 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 bonjour à tout ça. C'est Lucas Certé, on se retrouve pour ce cinquième épisode, je pense, de God of War 2 sur PS2. Voilà. Enfin, là, je joue sur PS3, mais c'était un jeu qui était sorti sur PS2. Enfin, vous me comprenez. On va tout de suite mettre toutes les armes qu'on a là-dessus. Putain, il faut encore 3000 trucs, c'est chaud, hein. Alors, on avait récupéré les coffres qui étaient là-bas cachés. Là, à mon avis, il faut qu'on monte. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, dernier épisode, c'était bordel, hein. C'était gros bordel. On avait une putain de séquence avec Pégase. On devait tuer des trucs et tout, des monstres volants, là. Je sais pas comment ils s'appellent. C'était bordel. Donc, là, on monte. Ah! Ah! Mais c'est des nouveaux ennemis, ça, hein. Première fois qu'on les voit, hein, je pense. Prenez ça dans vos races. Voilà. Tiens ça dans ta mère. Ah ouais, il faut les tuer genre en appuyant rond et tout. Ça veut dire que c'est pas des merdes, hein. Quoi? Mais ta mère, hein. Pourquoi tu fais le fou avec moi? Vas-y, dégage, dégage, dégage. Encore un. Hein. T'es vraiment. Tu veux vraiment te ramasser. Oh! Là, ils sont blindés, les gars. Aïe, 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 aïe. Ah! Oh là, quand ils sont beaucoup comme ça, ça devient chaud. Hein. Allez, toi, t'es mort. Crève, toi aussi. Ça, c'est bien, ils ont bien varié les ennemis aussi. C'est pas tout le temps les mêmes. Parce que dans le 1, on s'en rappelle, c'est souvent les mêmes ennemis. Hein. Souvent les mêmes ennemis qui reviennent. Qui reviennent plutôt. Alors il y avait rien là, non. Donc on doit monter. On accélère le truc. Oula, putain, des chiens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des rats? C'est quoi ce bordel? C'est des rats mutants, c'est des rats géants, c'est quoi cette merde? Ouais, comme je disais, des nouveaux ennemis, ça c'est cool, hein. Regardez, ceux-là, il n'y avait pas dans le 1 non plus, c'était des chiens avant. Bon là c'est plus ou moins la même merde hein, mais... Alors j'espère que ces chiens là ne grandissent pas comme dans le... Enfin que ces rats géants là ne grandissent pas comme dans le 1. Parce que dans le 1 les chiens là si tu les tapes pas assez vite, ils deviennent immenses mon gars, ils niquent ta mère. Alors j'espère que ce sera pas le cas pour ceux-là. Ouais mon gars, tu vas te calmer. Tu vas te calmer frangin. Ouah. Putain, comment elle a tapé ça? Il a tapé dedans comme dans une balle. Tu veux bien mourir toi, connard. Voilà. Très bien, donc là il n'y a plus d'ennemis. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a des coffres. On va en premier prendre des PV. C'est toujours utile. Donc on va descendre tranquillement après avoir pris ces... Alors, ces squelettes... Hey, ça rapporte des orbes, les gars. C'est cool, hein. C'est cool, hein. On va taper, on a besoin d'orbes, hein. On a clairement besoin d'orbes. Et les coffres qui donnent plus beaucoup d'orbes, on dirait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils donnent beaucoup moins d'orbes que dans le 1. Les coffres. C'est quand même fou, hein. Ok. On nique les petits squelettes, voilà. Très bien, là, on va pouvoir descendre à mon avis. Ou monter. Non, c'est descendre, hein, je pense. Ouais, c'est descendre. Très bien. Alors, on est. Je sais pas quel est notre but dans ce temple. Mais on doit y être. C'est ça le plus important. Alors, à quoi ça sert ce bordel? Si je redescends, ça se referme. Alors, ça a forcément quelque chose à voir. Maintenez R1 pour saisir une manivelle utilisée pour faire tourner la manivelle. Ah ouais? Mais je suis censé faire comment ici? Mais
Mais y a pas moyen. Forcément que je trouve un truc pour mettre dessus. Non? Il n'y a pas un truc que je pourrais mettre dessus, c'est bizarre. Hein. C'est très 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 bizarre. Hein. Peut-être que je dois remonter en haut, il y a peut-être un truc que je dois prendre en haut. Parce que là, je vois mal comment je pourrais passer cette porte sans avoir un truc à mettre dessus, tu vois. Et là, je vois rien non plus que je pourrais choper. Ah, ah putain, c'est le corps, les gars. Bah, heureusement, j'ai tapé dans les squelettes. Hein. Sinon, les gars, vide ma mère. Vide ma mère. J'aurais pas eu l'idée de taper dans les squelettes, etc. etc. J'aurais, je pense, jamais trouvé. J'aurais jamais su qu'il fallait. Attends, tu restes là. J'aurais jamais su qu'il fallait prendre ce corps, en fait. Parce que j'ai tapé dans les squelettes par pur hasard. Enfin, je les ai vus pendre. J'ai dit que je vais taper dessus. Voilà, mais sinon, j'aurais jamais su en fait. Non. Attendez, reste là-dessus. Toi, on va tirer au maximum. Et puis on se barre, 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 on se barre. Non! Non! Putain, j'ai mal fait. J'ai mal glissé, les gars. Enfin, j'ai mal roulé. La roulade n'est pas passée. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Très bien. Ok. Là, c'est passé. Alors, des petites énigmes partout dans ce jeu. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors, on doit venir là. Waouh, il pousse ça avec le pied, hein. On s'en bat les couilles. C'est là-bas que tu trouveras le chemin vers les sœurs du destin. Pourquoi m'aides-tu, Gaïa ? Il faut arrêter Zeus, Kratos. Cette histoire de vengeance a déjà été contée avant. Tu connais le puissant titan Cronos. Cronos craignait tellement la prédiction de l'oracle. Cronos, il est dans le 1. Que ses enfants se soulèveraient contre lui, qu'il décida de les emprisonner, tous dans son ventre. Rhea ne bougea pas et elle regarda ses enfants se faire dévorer un par un. Mais lorsque ce fut au tour du dernier d'être avalé, elle ne put supporter l'idée de voir disparaître sa progéniture et trouva un subterfuge pour sauver Zeus, alors bébé. Ah ouais, ça c'est Zeus le petit. Rhea ordonna à l'aigle de dissimuler son fils. Il fut emporté sur une île lointaine. À l'abri du regard perçant de Cronos. Ah ouais, il a carrément pris une pierre à la place. Cronos, c'est le géant dans le 1 qui a le temple sur son dos. Hein. Qui a le temple de la boîte de Pandore sur son dos. Donc ça, c'est vraiment il y a longtemps. C'était avant l'histoire de la boîte de Pandore, je pense. C'est ce moment-là. Parce que je vois qu'il est encore tout jeune et tout. Or que dans le 1, Cronos est vraiment tout défoncé. Il marche avec le temple de Pandore sur son dos. C'est moi qui me suis occupé de l'enfant. Et c'est moi qui l'ai protégé. Ok. J'ai moi-même nourri son désir de libérer ses frères et sœurs des griffes de Cronos. Mais ma compassion irréfléchie devait hanter mes frères titans pour l'éternité. Car en sauvant Zeus, nous lui permettions de revenir le cœur empli de vengeance. Il a trahi tous les titans pour se venger des fautes qu'un seul avait commis. Les fautes de son père, Cronos. Vraiment, je kiffe l'histoire. Là pour l'instant, l'histoire du 1 et même du 2, je suis en train de kiffer parce que ça suit vraiment. En fait, c'est vraiment une suite, tu vois. Et c'est ça, les gars. Et ça, j'achète! Non, et c'est ça qui est bien en fait, tu vois.
C'est que c'est vraiment une suite. Aïe! Ouh. Ah, c'était ici qu'il fallait venir, je suis venu au hasard. Oh non, 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 pas ça. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Pas après tout ce que tu as fait. Oh non, putain, ces chiens. C'est comme dans le 1, les gars. Ces petits chiens là, ils deviennent des grands aussi. Et... enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais. En tout cas, dans le 1, c'était comme ça et c'était le bourbier. Tu sais quoi. Colère des titans. Ah, moi, bats les couilles. Bats les couilles. Je vais défoncer leur mère et je vais même pas appuyer sur rond. Parce que c'est pas nécessaire quant à ça. Mais il meurt pas. Quel enfer. Putain, il est résistant le mec. Allez, on appuie sur rond là parce que sinon ça va pas le faire. Ok, il est mort. Il est mort, on récupère des orbes dorés aussi sur le passage. Il y a encore des chiens là par quelque part. Non. Ok. On va récupérer les PV ici. Les pouvoirs, on n'en a pas encore besoin. Alors, ce qui est bien avec cette colère des titans, c'est que ça monte la jauge de la colère des titans. Elle monte beaucoup plus vite que... alors, est-ce que c'est une porte ici? Non. Elle monte beaucoup plus vite que le courroux divin dans le 1. Le courroux divin dans le 1, les gars, on devait... on va prendre les orbes ici. Ce serait cool. Alors, où est-ce qu'on doit aller, en fait? C'est là, apparemment, mais on... c'est pas possible, hein. Une porte derrière ces trucs là. Non. Ah. Ok, et eh ben encore une fois, j'aurais pas. J'aurais. Les gars, là c'est vraiment du hasard. Encore une fois, j'aurais pas pété les statues. J'aurais jamais su qu'il y aurait une pierre là qu'on devrait prendre, mettre là-bas et monter, tu vois. Encore une fois, c'est des petites énigmes comme ça qui niquent ta mère. Donc je disais, ouais, dans le 1, le courroux divin, il est trop chaud à voir parce que tu dois vraiment monter. Enfin, la jauge, elle monte trop lentement. Or que là, la colère des titans, là, elle monte beaucoup plus vite. Hein. Ok, du coup, là, on s'est monté. Très bien. On prend les orbes rouges, hein, bien évidemment. On va péter ces petits enfilés ici. Voilà. On ne les laisse même pas de répit. On ne laisse pas... alors, on va pas sauvegarder maintenant, il est encore tôt. Par contre, où est-ce que nous devons aller? Ah, ça, ah, peut-être là. Petite brèche ici. Ouais, 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 c'était là. Alors, là, on va descendre, hein, bien sûr. Ok. Descend assez vite. Non, pas d'ennemis. Alors, est-ce que j'ai besoin de PV? J'ai pas besoin de PV. Par contre, les orbes, ça, c'est toujours à prendre. Et d'ailleurs, on va tout de suite les mettre. Ok, il reste toujours 1900 et quelques à avoir. Alors là, il y a une échelle. Ok. Oh putain, des ennemis. Ok, donc on va juste appuyer triangle parce que ça fait beaucoup plus mal. Voilà. Alors, par où est-ce qu'on doit aller? C'est pas par là. C'est tout droit. Alors là, on peut péter ce truc hein, vu que ça brille. Voilà. Faut toujours faire attention. Hein. Toujours faire attention aux petits trucs comme ça. Parce que dans ce jeu-là, les gars, c'est... c'est primordial d'être concentré. Sinon, mon gars, tu galères. Ok. Ok, c'était par là. Très bien. Parfait. On est monté là. Waouh, putain, c'est stylé. Regardez ces chevaux là. C'est vraiment stylé. Hein. Alors, vous vous dégagez. Ça va? Ça va? Fais pas chier, mon gars. Oh putain, des putains d'archers là-bas. Il va falloir utiliser le.
C'est eux là-bas que je dois viser. Putain. Non, on va rester caché derrière ces pierres, sinon les archers vont nous casser les couilles. Putain, encore ce chien de chiasse. Meurs. Alors, bon. On va directement sauter et taper l'armure comme ça. Voilà. Hop, on monte ici. On continue. On avance. Alors, est-ce qu'on prend les... Ouais, je préfère prendre les PV quand même. Très bien. Ouh, des nouveaux ennemis. Ça fait plaisir, hein. Toujours aussi plaisir de... Ah! Ok. Donc toi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te choper comme ça, mon gars. On va te défoncer ta gueule. Ah, il y avait un petit archer ici, hein. Un petit archer. Il y en a d'autres, là. Allez, dégage. Ok, ils sont tous morts. Notre colère des titans qui est presque revenue. Ça, c'est cool aussi. On va tirer ça. Ce qui va actionner quoi, du coup. Alors, j'espère que ce temple, c'est pas comme le temple de Pandore, hein. Où il y a des millions d'énigmes à résoudre. Sinon, ça va être la chiasserie. Pas possible. Oh, putain, non, pas les sirènes. En plus, elles sont à poil. Regardez-moi ce bordel. Oh non, pas les sirènes. C'est des sirènes, ça? Non! Pas toi! Ah! Ta mère! C'est une bosse, quoi? C'est quoi, cette merde? Ta mère, allez. Aïe! Non! De nouveau! Non! Il y en a deux! Aïe. Remets-toi. Oh putain, mes PV, comment ils sont. Comment... Oh là là, comment elle. Aïe, comment elle. Ah. Non! Aïe putain, ça va être chaud. On va mourir. Ok. Ah, il faut péter ce mur en fait. Là, il va falloir comprendre les coffres, hein. Allez, ok. Non. Alors, est-ce qu'on peut parer leurs attaques? Apparemment, ouais. Ça avait fait chier avec son cri. Tu vas me laisser tranquille, salope. Allez, remets-toi. Chope-moi cette pute. Putain, toujours pas. Ah si. Très bien. Oh là 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 là. Ça, c'est des nouveaux ennemis, hein. Il n'y avait pas dans le 1. Il y avait les sirènes du désert, mais ceux-là... Les coursiers du temps, un don du grand titan Chronos. Sa tentative infructueuse d'obtenir les faveurs des sœurs du destin et de changer la destinée que l'oracle avait prédite. Bon, je vais quand même sauvegarder. Ça fera toujours plaisir. Et on va avancer. Alors, on doit sauter sur la chaîne, je pense. Putain, les salopes, elles m'ont enlevé plein de vie. Et là, ils me mettent un putain de truc de pouvoir, même pas de PV, tu vois. Ce qui fait que c'est que je suis dans la merde. Bon, on va aller vers les chevaux, hein. Visiblement, c'est là qu'on doit aller. Ah, c'est quand même bien fait, hein, là, cette statue des chevaux, là, qui marche dans l'eau. En fait, les chevaux, ils tirent le truc, en fait. C'est ça que ça représente, tu vois. Oh putain, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça sent la merde, les gars. Ça sent le caca. Ok. Coursier du temps. Ça me dit rien de bon, hein, tout ça.
Mais le jeu est super stylé jusqu'à maintenant. Alors, là j'ai déjà vu un truc, mais je sais pas si on peut aller. Ouais, rien. Ok, donc on va monter. C'est dommage parce que la tenue que Kratos avait au tout premier épisode, là je la kiffais. Tu vois, il était genre avec une espèce d'armure comme ça. C'était vraiment stylé. Hein. Là il est redevenu comme au bon vieux temps. Là c'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir visiblement. Ok, des PV, ça c'est cool. Là, il y a du pouvoir. Oh là là, ça sent la merde cette porte là. Ça sent l'énigme. Hein. Il faut la clé du palefrenier. Ok, qu'est-ce que c'est que ce palefrenier? Flax, c'est un monstre à tuer ou un truc du genre, j'en suis sûr et certain. Ce coffre là, on va le laisser là pour l'instant. Ça, on va actionner. Ça descend une corde. Ok, donc là il y a deux portes hein, déjà. On ne peut pas ouvrir. Enfin trois. Il y a cette là du milieu et cette là ici tout à droite. Ça sent les énigmes à plein nez. Ah ouais, on a le temps en plus. Hein. On a carrément le temps. Hein. Ça sent les énigmes à plein nez comme dans le temple de Pandore, les gars. Je le sens, ça sent. Ça se sent. Hein. Ça se sent. Donc là maintenant on va actionner ça, on va aller directement sans perdre de temps. Sinon. Ça va pas le faire. Ok, donc on accélère. Ok, on a été dans un autre truc. Là, il y a un mec. Là aussi, il faut une clé. Ah, c'est lui qui a la clé. C'est qui ce type? On doit le tuer? Le fameux fantôme de Sparte. Alors, ce qu'il disait est vrai. Putain, ses dents, mon gars. J'ai vu bien des fous tenter leur chance. Mais je dois avouer que tu es celui qui me surprend le plus en demandant une audience avec les trois sœurs du destin. Et je n'aurais jamais cru que tu deviendrais le serviteur des sœurs du destin. Je sers et je protège les trois sœurs du destin pour la gloire du Père des cieux. Non, on va devoir les tuer, hein. L'ère de Zeus touche désormais à sa fin. Si je comprends bien, tu veux que les sœurs du destin tuent Zeus. Je te rappelle que tu ne possèdes même plus le pouvoir des dieux, mon cher Kratos. Je doute que tu sois capable de me tuer, moi, et tu voudrais t'en prendre au roi de l'Olympe. Laisse-moi passer, et j'épargnerai ta vie, vieillard. Heureusement, je coup de pression. Que cette décision ne dépend pas de toi. Nous allons putain, son arme. D'être le plus redoutable guerrier de toute la vie. Ouais, elle est stylée son arme, les gars. Ah, ce mec, il s'annonce être très, très chaud. Hein. Ouais, aïe. Alors, dommage que j'ai pas assez d'orbes pour améliorer, là. Attends, niveau 3, ça aurait été bon, hein. Clairement. Va falloir qu'on le fuit comme une salope. Et qu'on attaque vraiment... comme ça, tu vois. Aïe. Aïe, putain, on a raté. Je suis sûr on aurait fait mal si on aurait réussi le... Aïe. Non, j'ai raté, fais chier. Mais non, j'ai encore raté. Ah les gars, je mérite de crever là. Je sais, je suis d'accord avec vous, je mérite de mourir. Putain, il va être chose vieux. Mais j'ai encore raté, mais c'est pas possible. Aïe.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. J'ai presque plus de PV là, c'est chiant. Quoi? Putain, mais elle est stylée son arme. Putain, ce vieux. Aïe, 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 aïe. Je vais mourir. Tu fais quoi là? J'ai pas envie d'utiliser mon truc, mais je pense que ça va devoir se faire. Hein. Quoi? Putain, j'ai utilisé mon truc pour rien. Mais non, mais non. Putain, il anticipe mes mouvements, le chien. Quoi? Oh, l'enflure. Mais je vais jamais réussir, les gars. Je vais mourir d'office. En plus de ça, il fait sortir des glaces du sol, des... Il me lance des trucs, c'est impossible, ça va être chaud, ça. J'ai presque plus de PV, en plus, au début, j'ai galéré. Faut pas que j'oublie de parer les attaques en fait, parce que c'est ça mon défaut. Parce que je peux parer leurs attaques, mais j'oublie à chaque fois d'appuyer L1. Mais là, je commence un peu à reprendre l'habitude. Ok, donc lui il est mort aussi. On récupère des PV, ça c'est cool. Allez, redescend ça, le fils de chien. Là. Il anticipe, hein. Il anticipe clairement mes mouvements. Putain, mais pourquoi il descend pas, ce fils de pute? Descends, chien de la casse! Allez, toi, tu vas mourir direct. Comme ça, il en reste plus qu'un. Putain, mais les choses bossent aussi. C'est pas qu'il est chaud, c'est que... En fait, il envoie des types, là, et en même temps, il nous attaque. Putain, je peux le tirer dessus avec des flèches, je savais pas. Je viens de... Oh là là, je viens de cramer. Je peux le tirer dessus, les gars, avec mon truc. Ok, dégage, fils de chien. Crève. Mais non, mon gars, toi, tu vas... Tiens ça dans ta gueule. Ok, on a compris tes enroules, mon petit gars. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien, Coco. Dégage. Dégage. Bim. Oh non, pas... Là-bas, là-bas, voilà. Touche-lui. J'ai plus de pouvoir. Génial. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais fais chier. Là, je repère la main. J'étais bien parti. Ok, toi viens, je vais te choper. Allez. Putain, ça devient long. Ça devient long. Elle est quand même chaud le boss, hein. En plus, il veut pas crever, hein, ce fils de... Ok, là j'ai récupéré des trucs, donc je vais essayer de lui tirer dessus de nouveau, voilà. Parfait. Je sais pas pourquoi j'ai dit voilà, parfait. Le mec il est de nouveau vivant.
Putain, mais il est résistant, l'enfoiré. C'est pas possible. Allez, crève. Donne-moi du pouvoir. Ok. Très bien. Heureusement, il y a ces petits minotaures en chemette parce que comme ça, on peut récupérer des pouvoirs et des vies aussi. Putain, mais il veut pas crever. Le mec, il est plus résistant qu'un dieu, tu sais, c'est... Putain, mais il fait chier. Allez, crevez. Bande de connards. Ok, toi on va te choper. Donne-moi tes pouvoirs. C'est ce qui craint, c'est que ça devient long. Hein. Ça devient très très long. Vas-y. Ok. Ah, il était temps, les gars, il était temps. Tiens, fils de chien, crève. Avec ta propre arme. En flurve. Ok, donc c'était ça la clé. Casse-toi. Allez, crève. Ouais. Oh putain, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Tiens. Comment c'est bon, ça, connard. Putain, on a explosé sa tête dans la porte. Vous avez la clé du palefrenier. Très bien. Parfait. Et on a obtenu un trophée, l'autre boss. C'est quoi ce bourbier là? Si on était arrivé ça ou pas? Alors maintenant on a la clé, tu t'ouvres et tu me fais pas chier, hein. Ça va? Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On n'a pas besoin de tous ces trucs. Ça par contre on a besoin. Alors, est-ce qu'on peut améliorer cette... Toujours pas. R1. Chronos a donné les coursiers aux sœurs pour tenter de changer son destin. Ok, donc là, c'est les trucs, les endroits où on peut pas aller, en fait. Enfin, les endroits qui étaient fermés, plutôt. Alors, de l'autre côté aussi, il y avait une porte où on pouvait l'ouvrir qu'avec... Donc là, il y a un coffre, très bien. On va explorer un peu, hein. Maintenir, voilà. Hop, on regarde un peu ce qu'il y a par ici. Un autre coffre. Là, il n'y avait pas de coffre, hein, non. Pas de coffre ici. Ok, chope ça. Parfait. Donc là, on revient ici et du coup, on peut passer là. Et ça, les gars, c'est magnifique. Hop, on enfonce ça là. Alors, il n'y aurait pas un truc pour sauvegarder ici par hasard. Parce qu'on est déjà plus de 30 minutes là. Non, il n'y a pas de truc pour sauvegarder pour l'instant. Peut-être bientôt, il y en aura. Alors, la porte qui s'est refermée, bien sûr, elle ne reste pas ouverte. Hein. Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi. Très bien. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Ok. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, il faut mettre le truc là-dedans. Ok, donc lui, c'était vraiment le gardien qui protégeait le truc. Ouh là là, la batterie de mon PC est faible. Ouh là 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 là. Chronos. Ok.
Ok, donc il me donne un pouvoir là, je pense. Hein. Apparemment, c'est ça. Hein. Vous avez le courroux de Chronos. Oh! C'est un nouveau pouvoir, les gars. L2, placer des orbes d'éclair. Permet de frapper l'ennemi. Vous pouvez en placer 3 à la fois. Ah ouais. Waouh, c'est stylé. Chronos se fâche, encore un trophée. Oh putain, c'est stylé ce pouvoir, les gars. C'est clairement stylé. Je paralyse les ennemis en même temps je les électrocute. C'est cool. Et du coup en même temps je peux les exploser leur gueule, regardez. Alors désolé, hein, l'épisode sera un peu plus long mais... Je suis obligé les gars. C'est ça les défauts des jeux de PS2, tu sais pas sauvegarder quand tu veux en fait. Enfin pas tous, hein, pas tous les jeux de PS2 mais... La plupart c'était comme ça à l'époque. Que les jeux d'aujourd'hui, mon gars, tu veux t'arrêter là, tu t'arrêtes, tu sauvegardes et c'est tout. Donc, en espérant que... Donc ça, c'est ouvert. On va en premier regarder là. Pour naviguer parmi les attaques de magie. Bah, ça, on connaît très bien, t'inquiète. T'inquiète, 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 t'inquiète. Ici, il n'y avait rien, alors. Ok. Bah, allons de l'autre côté. Bon, 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 on va monter. Ah! Très bien. Là, il y a un truc pour sauvegarder, les gars. Il y a un coffre. On va en premier prendre le coffre, bien sûr. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était le 5e. Il est un peu plus long. Enfin, les épisodes, de toute façon, de God of War, je pense c'est très compliqué, vraiment, de faire pile 25 minutes ou pile 30 minutes. C'est impossible. C'est impossible parce que tant qu'il n'y a pas un truc de sauvegarde, tu ne peux pas arrêter. Et voilà. C'est ça qui est un peu chiant, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Merci à tous. J'essaierai de ne jamais dépasser les 40 minutes parce que je sais qu'après 40 minutes, ça devient lourd. Donc voilà, j'essaierai de chaque fois faire 35 minutes ou moins, mais pas plus. Là, je suis à 38 déjà, mais bon, voilà. En tout cas, merci à tous, c'était Lucas CRT. On se retrouvera pour le prochain épisode pour la suite. En tout cas, on a un nouveau pouvoir, on a tué un autre boss. On a, voilà, de la folie, ce jeu, c'est de la folie. En tout cas, merci à tous. Ciao les gens.